We'll be right back.
m'avoir demandé de prendre la parole aujourd'hui, mais c'est vrai que le musée est associé à cette manifestation. Donc c'est toujours merveilleux d'assister à vos inaugurations. Alors c'est pour moi un immense honneur, vous avez une grande joie d'être parmi vous ce midi pour l'inauguration de la 25e édition de l'exposition internationale d'orchidées dans l'enceinte de cette prestigieuse ville d'Auxerre. En effet, pour la parole devant vous, dans ce lieu chargé de vie, constitue toujours un moment particulier, car riche en émotions artistiques et historiques. Cette année, plus encore, si j'ose dire, car au travers de notre musée, les Dentelles de Brodie, nous y sommes pleinement associés, mais j'y reviendrai plus tard. Le territoire du Grand Brésil, auquel nous sommes tant attachés, peut en effet s'en embellir de briguer un tel monument historique avec dans les murs de son donjon une équipe aussi dynamique, bien la goutte, et inventive pour faire revivre ce bâtiment dans toutes ses étapes, sans qui cette manifestation ne pourrait avoir un tel état. Par votre amour infini envers la reine des fleurs, vous contribuez à la perpétuation d'un art floral qui doit composer avec un bouquet riche de 25 000 espèces. Ainsi, à l'image de la belle métaphore du poète Robert Delos, vous contribuez à la prolifération de cet or qui fait pour notre plus grand ravissement. Pour conclure, notre propos, laissons le dernier mot à la nouvelliste poète du XVIIIe siècle qui voyait en toute fleur un être entièrement poétique.